Salut à tous, comme on a dit, on a les deux plus. On a les deux plus du relais. Voilà, un relais pour qu'il fonctionne, il le faut deux plus, un moins, et le reste, la borne qui reste, elle va vers l'actionneur. On doit contrôler le moins du relais s'il y a le moins qui arrive. Ça, je vous conseille de le faire avec un multimètre, pas avec la lampe témoin. Avec la lampe témoin, on peut contrôler le plus, mais le moins, ça, je vous déconseille de contrôler le moins avec une lampe témoin. Ouais. Donc là, ce que je vais mettre sur voltmètre en continu. Là, on met sur la borne. Voilà, on a 12 volts. Donc on a le plus, le moins de la bobine du relais. Et nous, bah on a le plus qui alimente, donc à mon avis le problème il est dans le relais. Voilà, comme vous voyez là, on va tester le relais. Voilà ce relais là, on va tester. On a le 86, c'est un plus, et le 85, c'est un moins. Ils sont toujours opposés. On met le plus sur le plus et le moins sur le moins. Vous faites attention parce qu'il y en a des relais qui sont polarisés, qui ont des diodes. Donc, des préférences de ne pas faire ce test si vous n'êtes pas sûr. Donc, comme vous voyez là, je mets sur le moins, il ne s'excite pas. Ça veut dire que le relais est grillé. Je vais chercher un relais qui est bon. Je vais chercher un relais. J'ai récupéré ce relais là. On va l'essayer, on va voir. Bon, je mets ça de côté. Je branche un côté, comme ça pour que ce soit facile. Je branche le fil. Bon, mettez bien toujours le 86 sur le plus et le 85 sur le moins. Alors, dans ce cas-là, moi je mets ça de ce côté-là. Sur le moins et le 86 sur le plus. Voilà. Vous entendez bien. Le relais, il fonctionne. Donc, je vais le brancher. Je vais remettre celui-là à sa place. Voilà. Comme ça. Je viens contrôler si j'ai bien l'alimentation. Voilà, je remets sur le. Et je regarde la borne numéro 11. La borne numéro 11 et 10. Y a rien. Parce que ma lampe témoin, voilà, comme ça elle fonctionne. Voilà, comme vous voyez, la borne numéro 10 et la borne numéro 11. Voilà, 10, 11, 10, 11. On a les deux plus, donc on va mettre le chauffage, ça va fonctionner. Voilà. Voilà. Donc, notre problème, c'était un relais. C'était bien un relais et celui-là. Et celui-là, le relais du chauffage. L'habitacle. À l'extérieur, il n'y a pas de fusible du chauffage. Ils sont tous à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai pas contrôlé ici sur le au niveau du fusible. J'ai pas contrôlé. Je contrôle directement sur le relais parce que je sais que
Le chauffage, il traverse un relais. Voilà, partagez le max. Abonnez-vous sur ma chaîne. Je vais mettre d'autres vidéos. J'espère que vous allez. Bon, ça va vous aider. Je vais pas les mettre pour rien. À plus.